est l'un des convois exceptionnels hein, sur une quantité de 34 au total qui va quitter l'usine du Creusot ce matin. C'est une remorque de 40 tonnes du tunnelier. De cette taille, il y a une dizaine de remorques. Les premiers sont partis fin janvier, il s'agissait de la tête de coupe. Et les derniers transports se feront vers mi-juin, dans le cadencement imposé par le site. De par les dimensions des composants, il y a tout un itinéraire à respecter, avec des passages bien cadencés, au niveau des ronds-points, par exemple des ponts, entre le Creusot, Chalon-sur-Saône, Grenoble. Tout a été étudié de manière à ce que le convoi arrive bien à l'heure H, à la minute près, pour pouvoir descendre cette remorque dans sa chambre de montage. Il faut savoir que tous les convois sont obligés de descendre en marche arrière, parce qu'on n'a pas possibilité de faire demi-tour dans la caverne. Il faut à peu près 2h30 à 3h pour descendre. Et on a de chaque côté, c'est vraiment juste, c'est une histoire de 1 ou 2 cm. Hein. Hier, on a reçu 5 camions pour cette remorque. Et maintenant, on va descendre la remorque. Donc maintenant, il s'agit de remonter, recâbler, retuyauter. Et puis, le moment de vérité, c'est quand la tête de coupe va rencontrer le terrain.